On vous souhaite la bienvenue à ericlartour.com. Dans quelques instants, on vous parle du nouveau site Internet du Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est un organisme qui offre une multitude de services. Et là, bien évidemment, sur la page Internet, c'est cabsaintjean.org. On va en parler tantôt avec Isabelle Brulat, parce que c'est super intéressant. Il y a toute la liste des services, mais également, si vous désirez devenir bénévole, les formulaires, tous les renseignements. C'est la première fois que le CAB se dote d'un site Internet aussi élaboré. Ils avaient déjà une page Facebook, mais là, maintenant, il y a le site Internet. Mais d'abord, parlons des enjeux dans le monde, le merveilleux monde scolaire. La Commission scolaire des Hautes-Rivières a procédé l'automne dernier à un grand sondage avec un taux de réponse quand même assez intéressant dans le but d'adopter très prochainement, au mois de juin, à l'Assemblée du Conseil des commissaires, la prochaine planification stratégique des 5 prochaines années. Persévérance scolaire, réussite, une attention particulière pour les garçons, pour la formation professionnelle. Bref, on en discute à l'instant avec la présidente André Bouchard. Parlons du monde scolaire, parlons de la Commission scolaire des Hautes-Rivières qui est à développer son prochain plan stratégique. Avec nous pour en parler, sa présidente André Bouchard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, vous avez, ce que je comprends bien, élaboré, fait un sondage qui vous mène bien sûr à recueillir de l'information dans l'objectif d'élaborer votre plan de vision, de plan stratégique. Plan stratégique, le prochain plan stratégique qui va être adopté à la séance de juin. Oui, puis on a élaboré un sondage dont on est assez fiers, justement à cause de l'ampleur des réponses. On s'entend que la commission scolaire, c'est une commission scolaire où il y a 17 000 élèves et il y a 16 000 personnes qui ont répondu à notre sondage maison. Des jeunes, des étudiants ou des parents? 16 000 personnes, c'est à peu près, je dirais, 10 000 parents, 5 000 étudiants. 5 000 étudiants secondaires, éducation des adultes, formation professionnelle, ouais. 2 ou 3 000 élèves de 3e à 6e année, et le reste, c'est des membres du personnel. 7 membres du personnel sur 10 ont répondu au sondage. 7 sur 10? Oui. C'est quand même assez exceptionnel, parce que généralement, ce genre de sondage d'opinion dans les institutions, quand on a 20-30 on est heureux. À quoi vous attribuez le taux de réponse aussi élevé de la part de tout le monde, là, les parents, les jeunes puis les membres du personnel? Bien, je pense que c'est dû au type de questions. On questionnait vraiment sur l'environnement scolaire, sur la communauté éducative. Puis on a laissé un temps de réponse aussi. On a fait ça à l'automne. On a laissé un temps de réponse. On a fait des rappels. Alors, je pense que c'est dû à ça. Puis moi, ce que ça me donne comme message, c'est que la population est mobilisée pour l'éducation. C'est ça que ça me donne comme message. Alors, c'est intéressant de penser qu'on va commencer une planification stratégique avec des gens qui sont mobilisés pour l'éducation. Bon, les questions portaient sur quoi? Ça prenait combien de temps à remplir le questionnaire? Écoutez, c'était peut-être, 15-20 minutes, là, je dirais, au maximum 30 minutes. Les questions portaient sur l'encadrement, sur les cours d'école. On demandait même aux élèves, écoute, on a eu des réponses comme sur la qualité de vie des élèves, les heures de sommeil, est-ce qu'ils écoutent beaucoup la télévision, est-ce qu'ils servent beaucoup de matériel technologique, évidemment, les sondages étaient adaptés, là. Est-ce qu'il y a des réponses qui vous ont, disons, étonné plus que d'autres? C'est certain que quand on a un sondage où est-ce qu'on a beaucoup de répondants comme ça, il y a des choses qui nous rassurent comme organisme public, comme on a constaté que les parents trouvaient que le niveau d'encadrement dans nos écoles était très bien. Les élèves nous ont dit qu'ils trouvaient que leurs enseignants étaient compétents. Mais il y a des choses qui nous ont quand même troublés. On s'est aperçu, puis on le savait déjà, évidemment, on a toujours des indices de défavorisation. Alors, on s'est aperçu, il y a des enfants qui nous ont dit qu'ils ne mangeaient pas souvent à leur faim. Ah oui? Beaucoup? Je dirais pas beaucoup, là, mais dans certains secteurs. Dans certains milieux. Dans certains milieux. Oui, parce que... Mais ça peut représenter, je ne veux pas t'agacer là-dessus, mais ça peut représenter combien de jeunes, ça, ou combien en pourcentage? Écoute, je m'avancerai pas là-dessus, mais c'est assez pour être préoccupant. Okay. Assez pour qu'on ait... C'est sûr que, comme pour les heures de sommeil, on peut pas nécessairement s'occuper de ça à la commission scolaire, mais on peut faire de la sensibilisation, on peut faire des rappels, les veilles d'examen. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire. C'est ce dont on s'est aperçu. Est-ce qu'il y a là-dedans des indicateurs
comparable avec d'autres commissions scolaires au Québec qui vous permettent de dire, bien, voici, nous, ici, dans la région, les gens ont répondu à 43% sur cette question-là, mais sur la Côte-Nord puis au Saguenay, ils ont répondu d'autres choses, je ne sais pas. Pas à l'heure actuelle. Pas à l'heure actuelle. Sauf que ce qu'on sait, nous, c'est que le sondage qu'on a mené là, étant donné qu'il nous appartient, étant donné que les questions sont venues de chez nous puis qu'on l'a géré à l'interne, bien, dans 5-6 ans, étant donné qu'on va faire un plan d'action, après notre plan stratégique, on va être capable de reposer les mêmes questions. Puis on va être capable d'aller voir si ça a progressé. Bon, si les jeunes en milieu défavorisé vous disent qu'ils ne mangent peut-être pas à leur faim, bon, ça, comme vous dites, c'est peut-être déjà quelque chose dont vous aviez des indices. Est-ce qu'il y a d'autres points où le sondage révèle, disons, des zones de développement, des zones d'amélioration que la commission scolaire pourrait, de par son plan stratégique, améliorer? Absolument. Le sondage nous a clairement montré que les jeunes d'aujourd'hui, bien, on le savait, là, mais là, c'est vraiment clairement noté, que les jeunes sont très techno et très jeunes. Alors, je pense qu'on a un bon outillage électronique à la commission scolaire. Il faut vraiment s'en aller vers une meilleure formation de notre personnel. Je pense que c'est inutile de penser que les téléphones cellulaires au secondaire, entre autres, là, je pense qu'il faut s'en servir comme des outils pédagogiques. Ouais. Il faut vraiment développer des programmes éducatifs se avec ça. Contre ça, non, pas sûr que vous allez gagner la guerre non, là-dessus. Non, puis on gagne pas. Ça, c'est bien clair. Là. Mais tant qu'à l'avoir aussi ouais, bien... c'est ça. Parce qu'on se rappelle que dans les dernières années, on a été quand même favorisés au niveau... on a des tableaux, je pense qu'on a près de 300 tableaux interactifs dans nos écoles. On est quand même équipés, même si ça vient vite désuet et qu'il faut toujours recommencer. Ouais. Mais on s'entend qu'on a eu de l'argent pour acheter des choses, mais pas nécessairement pour former le personnel. Alors, il y a du débalancement là-dedans. Il y a du personnel qui est très bien formé, puis il y en a d'autres bien, qui demanderaient à être mieux formés. Bon, ça d'ailleurs, l'histoire des fameux tableaux, je suis allé il n'y a pas longtemps à la polyvalente, puis quand on parle avec les enseignants, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est comme dans la vraie vie, ça, M. Quand Latour. On parle même aux élèves, il y a des élèves pour qui ça les laisse totalement indifférents, d'autres pour qui ils trouvent que c'est déjà désuet. Parce qu'encore là, on se dit qu'il y a quand même une bonne somme d'argent qui était mis là-dessus, là, de la part du précédent gouvernement, là, il y a plusieurs années. Ouais. Mais ben, oui, effectivement. Mais c'est à se demander, effectivement, parce que bon, vous, la commission scolaire, vous écopez là, en retour. Là. Donc, on vous demande d'installer ces trucs-là puis de les opérer. Oui, on nous demande de les installer. Puis des fois, il a fallu les installer. Il faut songer aussi qu'il a fallu les installer dans des écoles, des fois qui étaient des vieilles écoles. Alors, il a fallu changer des panneaux électriques. C'est toute une organisation qu'il y a eu autour de ça. Là. Bon, est-ce qu'il y avait des questions qui portaient sur les services spécialisés, orthopédagogues, ou etc., etc.? Je pense que les questions englobaient... Le taux de satisfaction est quand même assez grand relativement à ces services-là. Bon. Là, maintenant, une fois que vous avez les données en main, que vous avez les résultats du sondage, que votre équipe de direction, le conseil des commissaires et l'équipe de direction prend ça en main, de quelle façon maintenant allez-vous élaborer votre vision stratégique, votre plan stratégique pour les cinq prochaines années? Il faut dire qu'on ne s'est pas juste contenté du sondage. Aussi, on a rencontré autour de 300 personnes, c'est-à-dire des directions d'école, des partenaires du milieu, des étudiants, des membres du personnel, des commissaires aussi. Parallèlement à ça, parce que évidemment les données du sondage, on les a éclatées dans les milieux, de manière à ce que chaque école élabore un projet éducatif. Vous avez quand même assez d'échantillonnage pour le faire. Là. Absolument, absolument. Puis c'est intéressant pour les milieux d'avoir des données fraîchement cueillies comme ça. Là. Maintenant, avec ça, évidemment, mission, valeur, on a tout élaboré ça. Puis ce qu'on va faire dans les prochaines années, on veut essayer de, je vais dire ça comme ça, de se ramasser. C'est-à-dire que notre plan stratégique, notre précédent plan stratégique, il y avait une trentaine de pages, il était élaboré. C'était presque une histoire à vivre, mais c'était notre premier plan stratégique. Le suivant, on va l'axer sur les résultats. Ce qu'on veut dans 5 ans, c'est que le taux de diplomation ait augmenté, puis le taux de réussite aussi, davantage de persévérance. On veut axer notre action aussi sur les garçons, garder les garçons à l'école. Ouais. On sait que les garçons, il faut qu'ils bougent plus. Alors, on veut vraiment diffuser des pratiques. On sait maintenant qu'avec la recherche en éducation, il y a des pratiques pédagogiques qui sont gagnantes. Alors, on veut vraiment diffuser ça auprès de notre personnel, puis justement diffuser la bonne nouvelle, puis que les pratiques gagnantes soient dans nos milieux.
Les garçons, ouais. Réussite scolaire, c'est ça. Diplomation, oui. Persévérance. Améliorer la formation pour les nouvelles technologies aussi. Se servir des technologies comme d'un levier pour la réussite. Bon. On parle beaucoup évidemment de primaire et de secondaire, mais il y a aussi à votre commission scolaire beaucoup de formations professionnelles, ouais. Avec votre centre là, qui est à la polyvalente Racicot, puis ici sur la rue Laurier. Nos deux édifices. Deux édifices, donc il y a là aussi une offre de services importante. Est-ce que le sondage a révélé des trucs là-dessus? Oui, ça, c'est en pleine expansion. Il va falloir vraiment aussi... il y a la carte des programmes qu'il faudrait probablement améliorer. Ouais. Puis on est actuellement en manque d'espace, alors on est en train, évidemment, d'évaluer toute la situation parce qu'on a des écoles secondaires qui ne sont pas nécessairement pleines. On est en manque d'espace, alors on est en train d'évaluer ça. Que disent les parents de leur propre implication scolaire ou de leur propre implication auprès de leurs enfants? Parce que c'est bien beau là, de dire que le gouvernement s'occupe de tout, puis la commission scolaire s'occupe de tout, mais les parents ont aussi une responsabilité. Moi, le fait qu'il y ait autour de 10 000 parents qui aient répondu au sondage, ça m'a beaucoup confortée, dans le sens que, tu sais, on n'arrête pas de dire que les parents pèlent ça dans le cours de la commission scolaire ou pèlent ça dans le cours du gouvernement. Là, je me suis aperçue que quand on leur pose des questions, ils répondent, puis ils sont mobilisés. Alors, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire pour impliquer les parents davantage, malgré le fait qu'on sache que c'est le temps qui manque aux parents. C'est le temps qui manque. Bon, là, il faut que je vous pose une question plate. Allez-y donc. Il y a un nouveau gouvernement, ouais. Il y a un budget qui s'en vient. Il arrive quoi avec les taxes, scolaires? Analyser municipale, ça, c'est un autre sujet. Les taxes scolaires, il arrive quoi avec ça? Bien, la réponse est très facile, M. Latour. Puis c'est pas parce que je souhaite la donner, mais actuellement, on est sous le coup de la loi 25. Ouais. Puis la loi 25, l'année dernière, elle nous a enlevé 14 millions de péréquations sur 3 ans. 14 millions dont on a récupéré 7 millions l'année dernière, 3,5 millions au 1er juillet 2014. Ouais. Et 3,5 millions au 1er juillet 2015. Donc, il n'y aura pas de change. Il n'y aura pas de remboursement comme le souhaitait le Parti québécois, là? Actuellement, non, parce que le projet de loi 63, qui était le projet de loi du Parti québécois, évidemment, quand ils ont déclaré les élections, le projet de loi est mort au feuilleton. Évidemment, quelqu'un pourrait le ramener. Et le nouveau ministre Bolduc n'a pas donné d'indication jusqu'ici? Visiblement, pas là-dessus. Visiblement, non. Puis j'ai même entendu qu'il n'allait pas toucher à ça, alors. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les gens qui nous regardent en ce moment vont recevoir un compte de taxation scolaire similaire à celui de l'an passé? Un peu moins, probablement, là, parce que l'année passée, on a recouvré 50 %. Là, cette année, c'est 25 %. Puis je ne sais pas aussi l'état de la situation des taxes scolaires, des taxes municipales, pardon, parce que l'an dernier, ça correspondait aussi à un moment où il y avait une hausse des taxes. J'ai l'impression que ça va être moins gros, mais je me plais toujours à rappeler, puis je l'ai fait d'ailleurs hier en conseil, que c'est une augmentation du compte de taxes scolaires, mais que ça ne donne pas un sou de plus à la commission scolaire. Et voilà. C'est difficile, mais c'est ça. Il fallait parler des taxes. Oui, non, mais c'est correct. La campagne électorale va bien? Oui, la campagne électorale va toujours bien. Toujours des élections cet automne, ça n'a pas changé. Oui, non, ça n'a pas changé. Puis je vous annonce en primeur que le 2 juin, d'ailleurs, il va y avoir un avis public sur le sujet, il va y avoir une séance d'information sur le sujet à 19 h à la commission scolaire. Madame Bouchard, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle d'un nouveau site Internet pour le Centre d'action bénévole de Saint-Jean. Parlons maintenant d'un nouveau site Internet pour le Centre d'action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu pour nous en parler, Isabelle Brulotte. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir.
C'est un organisme important sur le territoire. On sait qu'il y a plusieurs organismes, mais le vôtre quand même assez important en termes de population que vous desservez, les services offerts à la population. En quoi un site Internet peut, en quelque part, disons, révolutionner la façon de communiquer l'information à votre clientèle? Dans le fond, c'était pour aller rejoindre le bassin qui était plus difficile à aller rejoindre. Donc, au niveau du bénévolat, c'est sûr que c'est les étudiants. Sur le web, c'est beaucoup plus facile, puis ils peuvent maintenant s'inscrire en ligne. On a monté un formulaire vraiment adapté à leurs besoins. Puis aussi, on voulait aller faire un site web pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, via notre site web, peu importe, un citoyen de Saint-Jean peut aller chercher la ressource dont il a besoin. On a créé un bottin de ressources qu'on peut télécharger puis qu'on peut même imprimer si on veut le conserver à la maison. Je trouvais que c'était un manque pour la ville de Saint-Jean. Il y a énormément d'organismes, énormément de ressources, donc ça va être plus facile là, pour monsieur, madame, tout le monde, via notre site web, de bien se diriger. Est-ce que le centre d'action auparavant avait aussi un autre site Internet, mais moins élaboré, ou c'est vraiment le premier? C'est vraiment le premier. On avait le Facebook. Ouais. Donc, on était sur Facebook depuis environ 3-4 ans. Mais là, c'est vraiment le premier. Fait qu'on s'est assis quand même longtemps pour aller chercher qu'est-ce qu'on voulait de notre site web. Bon, je vois d'ailleurs quand vous allez sur la page d'accueil, puis l'adresse est écrite au bas de l'écran, donc www.cabsaintjean.org, c'est bien oui. Ça? Donc, on voit tout de suite là, dans la colonne à la gauche de l'écran, bon, évidemment, présentation de l'organisme, l'équipe, album photo, les références, cahier de service. Il y a l'aspect pour être bénévole et tous les services à la population. Quels sont d'ailleurs les services qu'offre le Centre d'action bénévole Saint-Jean sur le territoire? Nous, on offre la popote roulante pour desservir la grande région de Saint-Jean, y compris Saint-Paul et Saint-Blaise-sur-Richelieu aussi. Donc, on va livrer jusqu'à Saint-Paul maintenant. Selon la demande, évidemment. Est-ce que ça représente beaucoup de repas, ça? On va livrer environ entre 500 et 800 repas par semaine. Par semaine? Par semaine. Fait que ça fait... On a maintenant un quatrième parcours. On est obligé de séparer. Avant, c'était en trois parcours. Là, on a rajouté un quatrième parcours cette semaine, justement, parce que la demande est trop haute. Ça vous prend beaucoup de livreurs, ça, j'imagine? Oui, beaucoup de bénévoles. Là, on a une vingtaine de bénévoles attitrés là, pour la livraison de la popote roulante. Bon, les autres services? On a le transport accompagnement médical qui est vraiment en demande. On a élargi beaucoup d'usagers, donc on va chercher la radiothérapie, on va chercher différents services. Fait que ça, on va chercher aussi un autre 300 usagers pour ce service-là. Donc, il y a beaucoup de bénévoles. Donc, 300 usagers, ce qui peut représenter combien de transports dans une année d'opération ou par semaine? Je ne sais pas ce que ça représente. Au courant de la dernière année, on a fait un peu plus de 1900 transports dans une année. Donc, c'est beaucoup. Si on prend aussi qu'on desserve 4 jours semaine là, pour les transports médicaux. Ça, c'est un de nos plus gros services aussi. Puis on a le répit et soutien aux aidants naturels là, qui est de plus en plus en demande, ça malgré qu'on a besoin de sous parce qu'il y a une liste d'attente là, pour ces services-là, oui. L'aide, elle est offerte de quelle façon? Parce qu'on le sait, la population est vieillissante. Parfois, les gens sont seuls, parfois sont encore parfois deux personnes là, dans les habitations. Mais les aidants naturels pour le Centre d'action bénévole, ça se traduit comment? En service? Bien, pour les services qu'on offre pour eux, bon, on offre le répit. Donc, il y a une accompagnatrice qui va aller une à plusieurs fois par semaine pour donner une pause à l'aidant. Ouais. Donc, on va aller s'occuper de l'aider à ce moment-là. Puis, on offre aussi un soutien. Donc, on a une ligne directe pour notre responsable du soutien aux aidants naturels si elle a besoin de se confier ou avoir besoin d'une écoute quelconque. Puis on offre des activités de soutien aussi, donc on les sort, on offre du support, tout ça. Fait que via justement notre site web, là, ils peuvent aller même télécharger là, toutes les brochures, toutes les informations nécessaires à se sentir bien, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont aidants naturels puis qui ne le savent pas encore. Oui, c'est ça. Des fois, les gens, il faudrait qu'ils regardent la définition puis ils diraient, oui, c'est pas mal moins. Oui, c'est ça. On le fait sans même s'en rendre compte. Ouais, vous avez l'aide aux courses également? Oui, l'aide aux courses qui est, dans le fond, c'est la responsable de l'accompagnement et transport médical qui s'occupe de l'aide aux courses.
Donc, c'est le même bassin de bénévoles là, qui est formé pour faire ça. L'aide aux courses, on va chercher l'usager et on l'apporte à ses courses. Donc, on s'occupe de pharmacie, banque, épicerie. Bon, vous avez également des cliniques d'impôts, de l'aide à la rédaction de formulaires. On sait quand les gens vieillissent, parfois, on a toutes sortes de formulaires qu'on se doit de remplir. Qui sont plus difficiles à remplir. Qui sont toujours très difficiles. Puis il y a beaucoup de services gouvernementaux aussi qui ont cessé d'aider eux-mêmes à remplir les formulaires. Donc, même les formulaires de demande d'aide sociale, c'est nous maintenant qui s'en occupent. Ah oui? Oui. Donc. Quel est l'accès? Parce que la question que les gens peuvent se poser, bon, voilà, c'est intéressant, centre d'action bénévole, site Internet où on peut élaborer. Le site, il s'adresse à différentes clientèles. Pour la clientèle qui est comme un usager, usagère de vos services, est-ce que le taux de pénétration de l'Internet est quand même important? Est-ce que tout le monde a pas mal accès à Internet, même dans les milieux peut-être un peu plus défavorisés? Bien, maintenant, il y a l'Internet qui est accessible dans les écoles, dans les bibliothèques, d'une façon gratuite. Fait que nous, on essaie de dissimuler cette information-là, surtout pour les impôts. Maintenant, il faut la plupart du temps les faire sur Internet. Mais on a constaté, parce que sur notre site Web, on peut recevoir les questions. Donc, on a constaté que même dans les résidences, ils ont accès à des ordinateurs. Fait que c'est quand même un bon bassin qu'on peut aller rejoindre, là. Quand vous faites le total de votre année d'opération, vous rejoignez environ combien de personnes? Combien de clientèle à vos différents services offerts? Bien, cette année, on a enregistré plus de 2000 usagers là, pour nos services. Le plus populaire, ça a été la clinique d'impôts. Là. Donc, près de 50 % de notre clientèle a été pour la rédaction de formulaire et la clinique d'impôts. Donc, 2000 personnes que vous avez aidées de diverses façons. C'est ça. Et ça totalise combien de bénévoles ou d'heures de bénévolat dans une année? Je dirais qu'on a une banque de 300 bénévoles. Puis cette année, on a été à 30 et 40 000 heures de bénévolat acquises. Donc, j'ai des bénévoles là, qui font un 50-60 heures semaine. Là. Un bénévole à temps plein? Ça existe encore, ça? Oui. Puis on a ouvert différents services maintenant à notre accueil. Donc, comme à la réception, on a des postes bénévoles qui ont ouvert là. Fait qu'on a agrandi aussi là, pour leur faire encore plus de place. On trouvait ça bien d'être accueilli par des bénévoles dans un centre d'action bénévole. Puis eux-mêmes, c'est encore plus simple là, de divulguer l'information. Êtes-vous toujours en perpétuel recrutement? Je parlais avec, dans les dernières années, des gens qui s'impliquaient dans les organismes. Ils disaient, c'est difficile aujourd'hui parce que la notion de bénévolat a changé. Puis même des fois, il y en a qui, vous devez probablement le vivre, qui vont presque demander d'être un bénévole payé. Qui vont demander une rémunération, c'est un peu l'envers du décor, mais est-ce que le recrutement est difficile? Est-ce qu'il est plus difficile qu'auparavant? Moi, je trouve que non. Cette réalité-là là, de bénévoles qui voudraient être payés, je ne le vis pas du tout. C'est le contraire. Je trouve que plus ça va, plus j'ai des demandes, que les gens veulent être bénévoles et c'est moi qui, des fois, est obligée de les mettre sur une liste d'attente. Donc, je trouve qu'ils ont de plus en plus de motivation. Puis je trouve que la réalité d'aujourd'hui, c'est que les gens vont faire des expériences bénévoles, souvent même d'un jour ou d'un petit court laps de temps pour aller chercher une certaine expérience à mettre sur leur CV aussi. Fait que je trouve que ça a apporté une nouvelle dynamique là, au niveau des bénévoles. Bon, même si vous avez beaucoup de bénévoles, il y a toujours malheureusement des frais fixes qu'on doit assumer comme organisme. De quelle façon le Centre d'action bénévole Saint-Jean arrive-t-il à se financer? Donc, on se finance avec nos partenaires, nos collaborateurs. Puis, on a fait aussi un brunch. C'était la deuxième édition cette année pour essayer de se financer. Et chaque année, on fait nos fameux pâtés à la viande dans le temps des fêtes. Donc, on essaye de se financer de cette façon-là. Au niveau de la popote roulante, ça s'autofinance là, en tout temps. Donc, que ce soit les personnes salariées à ce niveau-là, là, ça s'autofinance. Bon, combien de temps on a passé à élaborer justement? Parce que bâtir un site Web, on part de zéro, puis là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Puis il faut le remplir, parce qu'il y a quand même beaucoup de pages, là, des dizaines, voire des centaines de pages. Et quand on s'embarque là-dedans, c'est là qu'on voit l'ampleur du projet. Vous avez travaillé combien de temps là-dessus? Bien, je disais que ça faisait au moins un an qu'on avait commencé à monter ce qu'on voulait qu'il y ait à l'intérieur. Donc, que ce soit les textes, la description de chacun des services, tout ça, notre agente de communication, elle avait préparé un cahier de services aussi. Donc, on s'est fié beaucoup à ça. Puis, suite à ça, bien là, on a donné le mandat à une compagnie
qui nous aide à le structurer, là, dans le fond. Là, on apprend à Vous êtes combien à la permanence? Gérer. À la permanence au centre. Au bureau, ouais. On est 9 employés. 9 employés. Donc, fondé le 21 mars 72 par sœur Armandine Gauthier. C'est oui. bien ça? Centre d'action bénévole Saint-Jean qui se dote maintenant d'un site Internet www.cabsaintjean, donc cabsaintjean.org. Donc, vous avez maintenant la palette de services et si vous désirez devenir bénévole, bien, il y a donc les formulaires qui sont disponibles ou tous les renseignements pour devenir bénévole au sein de cette organisation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente notre babillard quotidien. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, avec différents partenaires, va procéder le samedi 31 mai dès 8h30 le matin au marché public de Saint-Jean jusqu'à épuisement des stocks à la distribution de 3000 arbres. À chaque semaine, on vous présente Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est notre émission qui vous résume les travaux du Conseil. Vous avez l'horaire à l'écran. Elle se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix chaque semaine, dont la carte pleine qui est à 2000. 30 dépositaires pour acheter vos livrets partout sur le territoire. C'est tous les dimanches matin, 9h30 en direct. Et pour connaître la liste des vendeurs de livrets, bien, vous allez sur le site Internet de la télé ou vous téléphonez ici même. Télévision du Richelieu, voici nos coordonnées pour me joindre directement, plus facile par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial.tvhr9.com. Visitez notre site Internet, ça vous permet de voir ou de revoir les entrevues que vous avez manquées. Les entrevues vidéo sont en format YouTube, donc disponibles pour vos appareils Apple. Et puis, vous pouvez également nous aimer et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et l'émission que vous regardez est diffusée tous les jours de la semaine, notamment en rappel le dimanche à compter de 16h. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.